Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça y est, c'est le grand jour. Je vais chez le dentiste. Dans 20 minutes. Et étonnamment, je sais pas, j'ai pas trop la boule, je suis pas trop stressée. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, même hier soir, ça allait plutôt pas mal. Je sais pas. Bon. C'est Eric qui va m'emmener parce que forcément il est en vacances depuis vendredi, donc ça c'est une très bonne chose. Et avant, il faut que je passe, donc c'est dans la même ville, chez ma coiffeuse pour ma pose d'extension demain, qu'on vérifie, elle les a reçues, mais qu'on vérifie un petit peu la teinte par rapport à mes cheveux, si c'est elle a besoin de faire un bain pour réajuster la couleur. C'est parti les gars. Regardez, j'ai pris les fleurs de Bac Rescue Perles. C'est pour tout ce qui est angoisse, stress, et je pense que c'est le bon moment. J'en ai pris déjà deux, j'en reprendrai une autre quand je serai dans le cabinet, je pense. Je sais que t'es là. Hein. Ah ouais, viens faire un bisou, maman. Oui, on va aller chez le dentiste. Par contre, je tiens à vous dire, parce qu'on va rectifier les choses, vous êtes énormément à vous étonner, le côté je régule au niveau des croquettes et tout, mais je n'ai pas le choix en fait. Je lui avais donné à volonté et il mange tout. Mais c'est-à-dire que si je lui en mets, il va tout manger, il se rend malade, il devient énorme. Et forcément, j'ai consulté une vétérinaire qui m'a dit « Oh là, non, non, il fait partie des la catégorie des chats, ça s'appelle les bouffe-tout. Il mange tout, tout. » Tout. Donc, dans ce cas de figure, j'ai pas le choix. Je suis obligée de réguler. Et donc, elle m'avait dit, on passe à 60 grammes quand il est en phase régime. Et puis, bien sûr, je peux passer à 80 ou il n'y a pas de souci de temps en temps, quoi. Mais non, la croquette à volonté, c'est pas du tout pour Jack. Je suis arrivée, je vais chez la coiffeuse. J'ai laissé Eric dans la voiture. Je commence quand même à avoir la boule au ventre. Hein. Alors, voilà. Franchement, j'adore le résultat. C'est très très joli, ça change du blond platine. Voilà, elle me dit qu'il n'y a pas encore tout qui est arrivé. Mais j'ai quand même envie de... Yeah, hein, c'est du cheveu naturel. J'ai quand même envie de les faire poser demain. En même temps, et en même temps, je t'ai dit oui pour demain, mais imagine... Demain, tu vas avoir une tête. Arrête. Oh non. Ouais, c'est pas drôle. Hein. Ne t'énerve pas, on aura encore le temps. Tu commenceras à t'énerver quand on sera en retard. Ok. Il a changé de cabinet en fait, on sait plus du tout où c'est. J'ai une image de bâtiment tout tout blanc. Mais c'est là, là. Tu crois? Oui. Non mais en fait c'est une blague. Il n'y a personne, c'est fermé. J'ai rendez-vous à 11h30, donc j'arrête pas de téléphoner et tout. Je comprends pas le délire. Oui. 11h30? Pourquoi? T'es sûr que t'as pas mélangé l'horaire et la date? Bah, le 11, 11h30 de toute non, façon. Non, c'était lundi 11, mais t'es sûr que c'était pas 14h30? Non, 11h30. T'es sûr? Voilà, on vient d'entrer, regardez ce que j'ai retrouvé. Dentiste, mardi 12 à 11h30. Et non, lundi 11 à 11h30. J'en ai marre de moi, mais comment j'ai pu me planter autant? Et c'est vrai, quand j'ai pris le rendez-vous, j'étais au téléphone avec ma soeur quand elle m'a appelé, donc il y avait un double appel. Et quand tu fais deux trucs en même temps... C'est peut-être ça. Et j'ai pas du tout revérifié l'heure. Pour moi, c'était ancré quand elle m'a dit, j'ai imprimé lundi. Bon, voilà. Résultat, il va falloir que j'appelle la coiffeuse pour mes extensions. Allez, on va devoir redécaler. Ça sera pas demain. Je vais tenter jeudi. Jeudi 14 février. Mais moi, jeudi, on a prévu de partir. Mais ça n'empêche pas. Je vais essayer de faire le rendez-vous pour le matin, la pause d'extension. Et on part après. Voilà, pour notre petit week-end. Oh là 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 là. C'est nul, hein. Pauvre petit Eric aussi. Sinon, mine de rien, bah, il est midi 39 et j'ai faim. Je vais quand même manger. Le truc qui est un peu chiant, c'est que voilà, j'étais prête dans ma tête psychologiquement et demain, on recommence. Blablabla. Bon, alors ce midi, ça va être tout simple. J'ai envie de manger la soupe avec des petits croutons et je vais me faire du pain zim avec une tranche de fromage. Ça ira très, très bien. Eh, mais je vous ai pas montré, en fait, Eric, il me l'a monté. La deuxième. Vous voyez, c'est la même. Alors, je l'ai mise un petit peu plus haute. Et ça rend bien, hein, franchement, le soir, quand... Ah bah, ça, c'est parce que j'ai sorti à manger. Ouais, ça rend plutôt pas mal. C'est drôle comme les goûts peuvent changer. Hein. Je n'aimais pas du tout avant la soupe. Voilà, je trouvais que c'était tristoun, c'était fade. Mais là, vraiment, j'adore ça.
J'ai tourné la vidéo Emma et Chloé parce que c'était pas prévu, je pensais pas pouvoir tourner cet après-midi, mais comme ça je vais m'avancer. Et bah, je suis assez bluffée. J'ai terminé, quelle heure? 15h35. J'ai publié ma vidéo Emma et Chloé. Regardez, je mets mes post-it parce que j'ai vraiment peur d'oublier mes... tous mes petits rendez-vous. Je me pose la question, je vous avais pas montré ça une fois que c'était installé. Vous savez, je vous avais fait le haul, mais je vous avais pas montré le rendu. Je trouve ça assez sympa. Hop. Voilà, ça se marie plutôt pas mal. Hein. J'ai décidé de sortir là, je vais prendre l'air avant qu'il fasse trop sombre. Je voulais aller chez Brochet, voir pour un petit produit. Merde, j'ai oublié d'ailleurs, je suis con, faut que je retourne à la maison. On a toujours des offres. Et ben voilà, je sais bien qu'il y en avait une. Autre chose que je voulais vous dire, mes robes de demoiselle d'honneur, parce que vous me demandez, elles devaient arriver samedi. En colissimo jusqu'à 20h. C'est jamais arrivé, j'ai reçu un mail d'excuses disant voilà, ils allaient faire le maximum pour que ça arrive le plus tôt possible. Donc aujourd'hui lundi, je pensais que ça arriverait, mais non. Donc on va dire demain, j'espère, vraiment. On est d'accord qu'on est sûr de la loose aujourd'hui. Ah oui, on est lundi, c'est fermé. Oh là 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 là. Moi, je vais aller chez la CIP. J'en ai mis partout. Partout. Et ouais, regardez. Ça a coulé sous mon œil, sur mon nez. Bravo, quoi. Bon, bah, au final, j'ai trouvé... Oh, regardez comme c'est joli. Un coucher de soleil. Je voulais des petits vernis soins, vous savez, pour... que mes ongles soient un peu fortifiés. Et puis j'ai pris un petit goûter pour Eric. Je pense qu'on va avoir un très très beau coucher de soleil. Je pouvais pas rentrer sans aller voir. Et après je vous montre ce que j'ai pris. Allez, on rentre à la maison. J'ai faim. Alors, je t'ai acheté un petit goûter. Cool. T'es content. Oui. Allez. Alors voilà, ça c'est l'un des deux soins que j'ai pris. 8 en 1, s'il vous plaît. Truc de fou, il y a des huiles essentielles, huile d'argan. Ça va venir fortifier. Donc ça, c'est cool. Et j'ai pris également, attention, celui-ci. Il va venir régénérer anti-âge. Je ne l'avais même pas vu. Donc si avec tous ces soins, mes ongles ils sont pas de nouveau réparés, je comprends pas. C'est quoi cette mignonnerie? Maman elle est devant la télé et là on a un Jackie, regardez-moi ça. Il y a juste le petit œil. Et vous savez quoi, j'avais pas remarqué en fait que ce sweat avait une capuche. Ouais, je me suis mis en mode nuit, confort. C'est vrai que cette histoire de ce matin, ça m'a un petit peu crevé. Vous savez, comme quand on se prépare psychologiquement un examen, un truc super important, et qu'au final, ça n'a pas lieu. Mais tu sais que tu dois recommencer demain. Donc, faut tout recommencer le processus. Donc voilà, ça m'a un peu gavé. En même temps, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Il n'est pas tard, là, mais on a déjà mangé. J'ai envie que d'une chose, c'est monter, me mettre bien, me poser, bouquiner, regarder des vidéos, et voilà, être à demain, et qu'on en soit débarrassé. Voilà, en espérant que... ça se fasse en tout cas. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire, bah oui, à demain dans un nouveau vlog. Salut, vous le voyez ou pas? Vous le voyez ou pas? Et bah, il est là. On le voit à peine, mais si, c'est bien Jack. Allez.